Kevin, opéré en urgence d'une tumeur collée à la thyroïde, se confie sur son état de santé, sa nouvelle chérie près de lui et Carla réagit. Kevin s'est fait opérer il y a quelques jours d'une tumeur collée à la thyroïde. Le jeune papa dit que c'est difficile et a souvent mal, surtout la nuit. Le Marseillais a dû annuler sa participation aux 50 à cause de l'opération. Kevin se dit bien entouré par sa famille et ses amis. Il peut compter sur ses parents qui l'aident beaucoup pour la garde de la petite et aussi de sa nouvelle chérie. D'ailleurs, le jeune papa a déjà présenté Ruby à sa nouvelle copine, mais la réaction de la petite a fait beaucoup réagir les internautes comme vous voyez. Carla a préféré ne rien dire et ne pas se prononcer sur la rencontre entre Kevin et Ruby, ni sur la relation, ni sur l'état de santé de son ex-mari. Je vous laisse avec la story de Kevin qui donne des nouvelles sur son état de santé. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Tu en cours un petit peu à chaque fois. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais tu t'es fait opérer de la thyroïde, t'inquiète pas, alors ça n'a rien à voir avec la thyroïde. C'était collé en fait à la thyroïde, mais ça c'est pas de la thyroïde du coup. Du coup nuit assez compliquée, dur de dormir, se réveiller, se tourner, c'est quand même assez gros comme cicatrice. Du coup, voilà, je suis content parce que j'ai mon père et ma mère qui sont là avec moi pour la petite, même si elle reste collée à moi. Là, elle s'amuse là un peu. Elle allait s'habiller, elle allait mettre la robe. Elle a voulu mettre la robe à tout prix. J'ai acheté des robes, elle les adore. Elle a voulu mettre la robe à tout prix. Et du coup, là, elle allait se mettre la petite robe pour me montrer. Elle m'a demandé de lui maquiller les yeux, un bleu et un rose. Et du coup, là, elle allait se mettre la petite robe. Et apparemment, je vais devoir avoir un peu plus de repos que prévu. Moi, je me suis dit 15 jours et c'est bon. Et apparemment, il va falloir faire un peu plus parce qu'il faut que je repasse un petit peu des examens. Mais bon, je pense que ça va aller de toute façon. Je suis content parce que ça devait, il m'avait annoncé que ça allait être quelque chose d'un peu plus chaud et vu que ça va mieux. Enfin, ça, c'est pas aussi grave que ce qu'il pensait, donc je suis quand même assez soulagé. Même si c'est gênant, ça fait mal. J'ai la gorge qui tire, j'ai la voix des fois qui part en couille aussi, j'ai l'impression. Mais voilà, je suis assez content. Parce que la petite, elle est là, elle s'amuse. Là, on avait des vacances un petit peu de prévues à droite à gauche. J'espère que je vais pouvoir quand même aller faire un petit peu des vacances, mais au repos. On va pas pouvoir faire ce qu'on avait prévu exactement. Mais après, il y a beaucoup de gens qui me demandent aussi, oui, est-ce qu'il y a du monde avec toi? Alors ouais, moi, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir quand même une grande famille. J'ai de la chance d'avoir des proches qui restent beaucoup avec moi. Après, il y a beaucoup. Je suis vraiment... Pour ça, franchement, moi, j'ai mon père et ma mère déjà qui sont, bah, ils sont là tout le temps. Même quand je suis pas malade, ils sont là. Hier par exemple, j'ai mes amis qui sont venus me voir, donc que vous connaissez. Après j'ai des personnes, une personne que je vous présenterai bientôt qui est beaucoup avec moi, qui m'aide beaucoup. Et ça fait du bien d'avoir ce genre de personnes autour de soi. Parce que, enfin, en vrai, le problème c'est que ouais, ça fait mal, ouais, c'est ci, ouais, c'est ça, ouais, je peux rien faire. Là encore, je suis un peu dehors, ça va, parce qu'il n'y a pas le soleil, mais quand il y a le soleil, je peux pas le gros soleil. Que ce soit pour la cicatrice et même pour tout, parce que je n'ai pas trop bien compris, je suis pas docteur, donc mais du coup ouais, non, c'est bien d'avoir du monde autour de soi, c'est bien d'avoir de la famille, c'est bien d'avoir des amis, c'est bien d'avoir tout le monde. Elle est là, elle est là, montre-moi. Oh là 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 là. Mais du coup, je vais lui montrer la robe, elle m'explique 2-3 trucs, là elle repart, elle va revenir. Du coup je vais aller un peu avec elle et voilà. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Solide. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Bon, c'est comme ça, c'est les enfants. Et il y a ses petites cousines qui vont venir aussi. Il y a ma mère qui va venir jouer avec elle et tout. Donc, on va passer.